partait, eh bien, avec des valises, ben, vous savez, vous voyez les images des valises en carton, là, avec presque rien, mais avec leur accordéon, avec leur guitare, avec leur kanda, avec leur harmonica, toujours. Et donc, quand il y avait des événements qui se produisaient, eh ben, c'était à eux qu'on faisait appel. Par exemple, le passage de l'équateur, il y avait toujours une espèce de petit rituel pour ceux et celles qui ne l'avaient jamais traversé. On faisait appel aux Italiens, aux Italiennes. Qu'est-ce qu'ils chantaient ? Eh bien, leur patrimoine musical, qui était composé de chants d'opéra, d'opérette, vous connaissez par cœur, bien sûr, mais aussi de chants populaires. Italia bell'amore, sa chi gentile, e figli tuoi non li abbandonare, se no ne vanno tutti in Brasile, non si ricorda più di ritornare. Ancora qua ci serve da lavorare, senza stare in America a migrare. Ancora qua ci serve da lavorare, senza stare in America a migrare. New York Times, États-Unis, le 14 mai 1909. Le criminel italien est un excité. Il est de tempérament agité quand il est sobre et ivre furieux après une paire de verres. Il secolo presente qui ci lascia e 1900 s'avvicina. La fame ci ha dipinto sulla faccia e per morire non c'è la medicina. Ogni buono si sente migliorò, la novella racconta del caffè. Ogni buono si sente migliorò, New Heron, États-Unis, le 12 décembre 1872. Les Italiens qui arrivent sont des bandits. Ils n'attendent que la plus petite provocation pour manifester leur caractère.